5 jours de navigation non-stop, 5 jours et 5 nuits, sans assistance, sans arrêt. C'est donc un défi d'endurance humain en double avec la pression de la régate. Oui, oui, c'est riche en émotions. Ouais. Surtout de savoir si on a tout pris avec aussi. C'est chouette de voir autant de monde qui viennent regarder. On est motivé et on essaiera de trouver quelques heures quand même pour avancer un peu. Moi j'attache beaucoup d'importance au plaisir qu'on prend sur l'eau en fait. Du coup, se fixer un objectif, après c'est quand même le meilleur moyen d'avoir des frustrations et puis de passer à côté de sa régate, de l'envie d'apprendre comme chaque année un peu plus comment fonctionne ce lac un peu bizarre. L'essentiel c'est de rester devant avec le tas et puis ben, à la fin d'essayer de finir devant tout le monde. La meilleure préparation pour les 5 jours c'est de faire les 5 jours quoi. Donc c'est pour ça que j'essaie d'être un peu fidèle à cette régate et puis comme je disais avant d'apprendre d'année en année un maximum. C'est presque le départ c'est presque une libération pour le comité d'organisation. Parce que la grosse pression c'est d'organiser. Une fois qu'ils sont sur l'eau, il y a une sorte de détente qui s'installe déjà. Avec bien sûr l'échéance de l'arrivée vendredi prochain. Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre si on veut, alors que d'habitude on tournait dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire qu'on ira en Genève en premier. Et ça va un peu changer le rythme de la course, parce que c'est vrai que chaque année il y a un peu un rythme standard. La régate commence à se ressembler passablement, donc là on sera pas aux mêmes endroits, dans les mêmes configurations de vent, et ça ouvre pas mal le jeu je pense. Ça va changer pas mal de choses, je pense, parce qu'on est tous, en tout cas tous ceux qui ont fait déjà les 5 jours pendant pas mal de fois, ils ont un peu des schémas dans leur tête. Puis là, bah, ça va changer un petit peu la donne, donc je pense que ça va être très intéressant en tout cas.